Salut Christian. Christian the Christian. Anyway. Jit a drummer. Oh, hey, c'est vrai. Hey, c'est définitivement sûr que tu n'as jamais réécouté ça, là, mais avant hier, quand tu as regardé, j'ai conté. Juste avant que tu partes, juste après que tu partes, j'ai conté une histoire par rapport au fait que j'ai eu une immense réflexion par rapport à ce que tu avais déjà dit dans le temps, puis j'ai vécu la même affaire. C'est que pendant, écoute, faire une histoire courte, crois-le ou non, j'ai comme été le fournisseur principal de composition dans un projet de band qui commençait, tu sais. Tu sais que ça va mal à la choc quand ton band dépend du drummer pour faire de la musique, là. Mais, ouais, puis là, c'était comme, tu sais, faut que ça jamme tout de suite. Puis à un moment donné, ça a fait, bon, on va aller jammer, même s'il n'y avait rien à jammer. Fait qu'ils ont dit, ah, on va jouer tes affaires, OK. Puis là, j'attendais, puis là, rien, tu sais, je veux dire, il y avait du monde dans le band déjà qui jouait les trucs, mais c'est là que j'ai compris que, OK, les tunes sont pas finies, ça donne quoi des jammer, tu sais, ça donne quoi des jammer. Puis j'ai tellement pensé à toi quand que moi puis Francis, on te poussait le cul pour que, ah ouais, il a fallu des tunes, là, puis on veut aller jammer dans le local, tu sais. Justifier le local ou justifier le band ou... Mais j'imagine qu'avec le long terme, c'est un mélange de... d'équilibre là-dedans, là, finalement, que c'est sûr que si tu fais jamais, tu joues jamais, t'es moins porté à vouloir faire avancer les affaires, mais en même temps, trop vouloir faire avancer les affaires si tu composes pas. Alouette, là. Souvenez, ben oui, ben oui. Sinon, j'attends toujours après cet album-là, là, qui était déjà excellent, la première version, là, crois-le ou non. Là. Moi, j'ai trouvé ben, ben bon. Puis j'aimerais ça avoir les MP3 de ça, les Waves, ou en tout cas des. Un souvenir, là, pour dire. Là. J'ai encore la caisse d'album d'Endless Night. Va falloir que j'y donne ces CD-là, tout simplement. Là. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça. Avec mon super drum électronique qui mistrigue plein d'affaires. Là. Fait que toi, t'es-tu toujours à Drummondville? T'es-tu toujours à... Peut-être que oui, peut-être que non. Pendant ce temps-là, on va prendre d'autres affaires tant qu'il arrive quelque chose. Yo, on serait dit pour jammer. Oui, Drummond City. Qu'est-ce que tu veux jammer, justement, maître de le non-jammage composition? Je dis ça avec le plus grand des respects, by the way. Là, c'est pas... C'est pas une pogne. Mais non, c'est m'a dit comme j'ai vu quoi Francis cette semaine. Ah ouais, un shout-out que c'était sa fête hier, avant-hier. Que t'étais supposé repasser chercher un ampli ou une affaire depuis 2-3 ans. Fait qu'il est comme, ah, oh, j'attends. Chris est supposé passer, là. Fait que cette jam-là, j'imagine ça va aller après la récupération de cet ampli-là sur la liste des choses qui vont arriver, là. Mais non, anytime. Je trouverais ça dommage que le grand Christian ne joue plus. Là. Je penserais pas que tu aies arrêté. Là. Ah, t'as calé sur Messenger. Ben, c'est parce qu'en même temps, ce live-là, appelez ça comme ça, c'est un peu comme un... Faut aussi que je joue dedans, là, pas pour les zéro personnes qui regardent, mais surtout personnellement, juste pour me... C'est comme un journal de pratique un peu, là, tu sais, de mesurer la progression. Là, je pratique des affaires tellement cégep, là, c'est tellement... Mais tu sais, ça change le mal de place que de faire le beat en canne de Rammstein depuis 120 ans. Là. Mais non, je vais t'écrire, je vais te rappeler un autre moment ou quelque chose. Oh! Ouais, sûrement. Sûrement. Oh, OK, je pensais que t'étais parti. Ben ouais, je vais te lâcher un whack, mais que j'ai terminé, là. D'après moi, là, dans gros top dans une heure, là, mais... Anyhow, fait que faut bien que ça soit un drum channel puis pas un blabla channel. Mais vrai que, si veux-tu payer le golden level de Patreon de 3 millions de dollars par mois, si tu fais ça, moi, je suis sauté.
Calé, calé. Mais je vais t'appeler après, ouais. C'est ça.
Hello, Mr. Pete. Ah, c'est le temps d'avoir des retours de Messenger, là. Wow. Merde. Ah, t'attends quelqu'un pour vendre de quoi, puis finalement, ça choque dans la pelle, là, tu sais. C'est comme, ah, wow, je te fais une faveur, j'ouvre plus tard que c'est supposé, puis finalement, tu me choques, là. Puis tu me dis, ça va aller probablement à quand je t'avais dit que c'était pour être supposé d'être quand ça rouvre, là. Anyway, méchante affaire.
Salut Nat, mon plaisir. Why.
Bye bye.